Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment faire les koroba breads, mais sur des micro-lox. Alors, tout d'abord, il vous faut des Afro Twist Bread. J'ai choisi la gamme Supreme Royal Silk. Il vous faudra également du fil noir, bien sûr, à adapter selon la couleur de vos cheveux. Alors, il vous faut juste séparer la tête en plusieurs sections, donc ça va dépendre de la grosseur des nattes que vous allez vouloir réaliser. Moi, j'ai préféré ne pas faire trop de braid, donc de tresses sur ma tête, donc j'ai pris quand même une section relativement grande. Alors, l'extension que je vais rajouter au niveau de ma longueur, c'est pour pouvoir faire la spirale. Et bien sûr, après d'avoir natté l'ensemble de ma tête, je vais tout simplement passer le fil pour pouvoir réaliser la forme de spirale pour avoir l'effet de Koroba Braids. Alors, c'est un processus qui est un petit peu long, mais ça reste quand même relativement très facile à réaliser si vous avez beaucoup de patience et de créativité, etc. Voilà, donc bien sûr, les extensions, c'est juste pour tricher, pour avoir la spirale au bout. Vous pouvez réaliser cette coiffure, que ce soit sur les locks, sur les micro-locks, parce que là, je vous prouve qu'on peut les faire sur les micro-locks, mais avant tout pour les cheveux naturels. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Je vous fais tout plein de bisous et à très bientôt. Bye bye!